Une bien triste réalité. Liberté, égalité, fraternité, ça pouvait nous aller encore quand il s'agissait de courir sans savoir, quand nous pouvions sauter haut pour atteindre le ciel. Mais voilà, délestés de l'héritage sourd et aveugle, sans mémoire, nous avons remonté le fil de l'histoire et nous n'y avons rien reconnu. Les rues y étaient encombrées de cadavres auxquels le monde des vivants ne rendait pas hommage. Célébrer en grande pompe les assassins de nos frères et de nos sœurs, les assassins de nos frères et de nos sœurs, les assassins de nos frères et de nos sœurs, les assassins. Alors Mario, batteur depuis à peu près 2 mois, pas OPA, voilà, récent batteur. Voilà, moi c'est Raphaël, guitariste depuis le mois de septembre au sein d'OPA, avec grand plaisir. Voilà. Et Myriam, chanteuse depuis 2 ans dans l'OPA, l'orchestre poétique d'avant-guerre. Voilà, c'est bon, en partie. En 3-4 mots, justement, OPA, qu'est-ce que le concept, qu'est-ce que c'est en fait? C'est très simple en fait, hein, on fait ce qui nous plaît. Dans l'instant où ça nous va, donc on fait surtout de l'improvisation. C'est le moment de vous prendre par la main. Ouais. Et de faire circuler la bonne vieille chaleur humaine. Un truc bien comme le monde de la bonne vieille chaleur humaine. Que de la poésie. Je n'écris que de la poésie. Quoi que j'écrive, c'est de la poésie. Enfin, c'est sûr qu'un communiqué, il peut paraître moins poétique qu'un texte qui est réellement écrit comme un poème, mais j'essaye toujours de mettre de la poésie dans ce que j'écris. C'est ma façon de m'exprimer et c'est aussi... Voilà, je ne suis pas une politicienne, donc même si je dois faire un communiqué, j'essaye d'y mettre une portée poétique. C'est ma façon de toucher les gens. Donc, quoi que j'écris, je crois que ça reste de la poésie pour moi. Bonjour ma belle. Ah ouais. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Solidarité Palestine, n'hésitez pas à venir apporter votre solidarité au peuple palestinien. Je sais pas, c'est pour faire la maquette, c'est ça? Non mais moi je t'ai dit, je viendrai. Faites-vous partie de celles et de ceux qui ne savent pas. Alors on prend le mégaphone et on répète sans se lasser jusqu'à ce que tout le monde soit au courant. N'oubliez pas la convergence des luttes. Ce qui se passe en Palestine, ce n'est plus ni moins que le travail du grand capital. C'est le même capital qui oublie ce qui se passe au Darfour, au Rwanda, etc. Donc la complicité de l'État français.
français dans le problème de la Palestine, c'est nous-mêmes dans le problème des Africains, de nos amis d'Amérique latine. Donc solidarité, convergence et lutte, et tous ensemble. Peut-être le premier mot qui me vient, c'est engagé quand même. C'est vraiment quelqu'un d'engagé, d'activiste, vraiment, d'honnête. Engagée, activiste, honnête, créative, sensible. Ah ouais? Ouais, voilà. C'est toi? Ouais. Peut-être parfois un peu excessive dans ses rapports avec les gens. Elle investit beaucoup de choses en fait dans les relations humaines, mais c'est le propre des gens qui sont engagés, je crois. Donc je m'adresse aux gens qui nous poursuivent et qui nous harcèlent depuis maintenant le mois d'octobre, puisque ça a commencé par le piratage du site d'activisme, ensuite on a piraté ma boîte personnelle, puis la boîte du groupe, puis le MySpace du groupe, donc là je pense que vous avez fait à peu près un total. Moi j'aime autant qu'on vienne me dire en face, en vrai, s'il y a des choses qui vont pas, ou si on n'est pas d'accord, je trouve que c'est vraiment assez lâche, et ça nous donne surtout effectivement beaucoup de travail supplémentaire, et à vrai dire, on en a déjà énormément, donc, bon, comme on est des gens très têtus, on continue à faire ce qu'on a à faire, mais c'est vrai que c'est un peu troublant tous ces événements qui se passent depuis 3 mois. Personnellement, je deviens de plus en plus paranoïaque. J'ai tendance à regarder qui me suit dans la rue, etc. Mais je crois que j'ai raison en fait. Voilà, donc je fais un petit coucou au RG, s'ils sont là, je les embrasse. Voilà, donc ce soir vous pouvez tous nous écouter en direct, il n'y a pas de problème. Ainsi, une fois de plus ce dimanche, nous ne chanterons pas pour passer le temps. Nous donnerons de la voix pour Kébé, pour Shulan Zhang, qui avait sauté par la fenêtre par peur de la police, pour une autre, pour un autre, pour tous les autres, pour tous les compagnons qui luttent à leur côté. Il faut le vouloir, le croire et le faire savoir. Ça branle dans le manche, et nous travaillons pacifiquement à la revanche. D'abord, je pense qu'il y a un gaspillage de compétences et d'énergie. On peut très bien, je crois, vivre un engagement en faisant autrefois à côté un certain nombre de choses que j'appellerais rentables ou alimentaires, comme vous voulez. Et là, l'engagement est total au détriment de, comment dire, cette possibilité de vivre mieux, même si, si l'engagement le justifie. Le papa en est très inquiet. Il faut quand même assurer le gîte, le couvert. Et apparemment, ça n'entre pas en ligne de compte. Ou si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Moi, je pense que l'engagement est plus important que tout. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de rémunération au bout, mais c'est pas fait pour ça, en fin de compte. En plus, j'ai quand même une autre activité à côté de mon engagement. Je fais la musique, justement. Je sais pas, comme si je faisais rien. Et par rapport à la musique, j'essaye quand même de mettre en place des choses pour que ça puisse évoluer, avancer et pourquoi pas au bout avoir quelques rémunérations. Je suis pas contre le fait de gagner de l'argent, encore une fois. Mais ben voilà, l'engagement, c'est vrai que ça prend tellement de temps que j'ai pas forcément l'opportunité à côté ou pas l'envie, en tout cas, de faire autre chose à côté qui me permettrait d'avoir une vie plus confortable. J'ai pas envie d'avoir une vie confortable quand tout le reste autour me paraît inconfortable, ça me paraît pas pensable ni vivable. Donc son angoisse, je la comprends, mais je ne la partage pas. Voilà.
Ça vient quand ça a envie de sortir. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un cahier sur moi. Je me réveillais la nuit, j'allumais les lumières. Il fallait absolument que j'écrive. Bon, ça déjà, j'ai essayé de dormir. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ça se passe derrière la tête, qui tourne comme ça. Et puis, à un moment donné, c'est impératif, il faut que j'écrive. Quand ça vient, il y a une urgence, je ne peux pas tergiverser. Il faut que je le fasse, pas par peur que ce soit perdu, mais par peur que ça me bouffe trop la tête et que je devienne complètement coupée du reste du monde parce que j'ai ces mots-là qui sont là derrière la tête, ça se passe. Je pourrais peut-être me passer d'écrire, parce que je n'ai pas vraiment envie et puis je n'ai jamais vraiment essayé. Donc, vital, sans doute, quelque part quand même, parce que c'est ce qui permet de peut-être pas devenir fou. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres, les signaux, les merles, mon cœur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle au cœur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sur le lit en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant